que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 16 septembre et je suis en compagnie de ma meilleure amie qui est juste là. Et je pense que vous l'aurez vu de toute façon dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Disney. Donc je suis hyper excitée, je pense que ça va être comme ça dans tout le vlog de la journée. Et du coup j'ai eu envie de vous emmener avec moi et c'est parti. Qui était le train de la mine évidemment, et franchement l'attraction elle est juste géniale. On voit vraiment qu'ils ont fait des rénovations et qu'ils ont ajouté des choses. On se souvenait pas qu'elle était aussi longue, mais génial. On vient de sortir de Peter Pan's Flight, si j'arrive à le dire. Là c'est juste l'attraction que je voulais absolument faire puisque mon Disney préféré c'est Peter Pan, mais l'attraction elle a pas changé quoi, et on fait une demi-heure de file pour 2 minutes d'attraction, mais c'est vraiment joli. J'ai nouveau filmé, mais je suis pas persuadée que je vais pouvoir vous mettre les images parce que c'est très très sombre. Et au niveau musique, je pense même pas que je pourrais vous les laisser dû au droit d'auteur évidemment. Donc je verrai bien, mais sinon, allez bien. Donc je vous retrouve ici, nous sommes dans Discoveryland et il est midi 10. On sort à peine de Star Tour, donc la nouvelle version, qui était juste géniale, franchement top. Malheureusement, on ne peut pas filmer ni faire des photos, donc je ne peux pas vous mettre des images de cette attraction-là. Mais si vous devez en faire une, il faut absolument que vous alliez la faire parce que la nouvelle version est vraiment, vraiment bien faite. Donc voilà, là on va aller sûrement faire une petite boutique au niveau de Main Street. Parce qu'on a pris les fast pass pour le Space Mountain, mais on y a accès que dans une demi-heure. Donc là, on va aller faire un petit tour et faire des petits achats, à mon avis. Donc c'est parti! On se retrouve toujours dans Discoveryland et là on sort de Space Mountain, donc hyper Space Mountain.
qui est juste une véritable tuerie. Alors d'habitude, moi, les trucs à looping, c'est vraiment pas ce que j'aime. Mais là, ils ont changé le petit train, en fait, ils l'ont déjà repeint et du coup, ça donne super bien. Mais en plus, on est vraiment, vraiment tenu dans le siège. Et c'était terrible, quoi. Enfin, les images et tout, enfin, juste top. Je sais pas dire quoi de plus. Et donc là, il est 13h05 et on retourne au niveau de Frontierland pour aller faire... Non, Adventureland, pour aller faire Pirates des Caraïbes. Même s'il y a de la file, il faut qu'on aille le faire puisque de nouveau, c'est une attraction qui a été modifiée. Donc, c'est parti. On se retrouve du coup maintenant dans le parc studio. On a décidé de changer de parc puisque de l'autre côté on avait fait tout ce qui nous intéressait en fait, puisqu'on a terminé par le Pirates des Caraïbes qui était vraiment bien. On a vu Jack Sparrow, c'était juste top. Et par contre, je vous ai filmé, mais je suis pas persuadée que je vais pouvoir vous mettre les images du fait qu'il fait très sombre dans l'attraction de nouveau, mais j'essaierai quand même de vous les avoir mises. Et donc là, on va dans studio, on va essayer de faire Ratatouille et j'aimerais faire la tour de la terreur aussi, mais d'après ce que j'ai vu sur l'application, les temps d'attente sont quand même très longs, donc on va voir ce qu'on va savoir. Je fais ma tête de triste, est-ce qu'on s'en va? Il est trop triste. Il est triste. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Il est quoi, 19h? 19h04. Donc il est 19h04, on va faire un petit dernier saut à l'Emporium parce qu'il y a un truc que je veux absolument acheter. Et puis on va sortir du parc et on va retourner, on va rejoindre plutôt Disney Village pour aller encore profiter de faire quelques... Génial. Quelques achats et quelques lèche-vitrines et on va surtout essayer de se prendre à manger au McDo avant de reprendre le train. Donc voilà, je pense pas que je vais vous reprendre après parce que y aura pas grand chose de nouveau. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez aimé venir avec nous dans le monde de Disney. Et puis du coup on vous dit à bientôt, je ne sais pas encore quand, dans un prochain vlog, mais à bientôt. À bientôt.